Ravi de te voir en un morceau. J'avais mes craintes. Mais il faut croire que la faux n'est pas de taille contre toi. J'ai connu pire. Tiens donc, regardez qui voilà. Caslo, voici Yetka. Elle cherche... je ne sais trop quoi. Vous n'avez pas idée, Harkin. Je vois que vous avez trouvé un moine. Mon dernier, je l'ai laissé tomber. C'est charmant. Vous avez le chic pour rompre la glace. Un peu d'aide ne serait pas de trop. Tiens, voilà qui devrait t'aider. Je n'en reviens pas. Ce n'est pas une salle, c'est un autre monde. Je le trouve familier, mais... comme un souvenir d'enfant, déformé. Et ce ray de lumière, est-ce l'appareil que vous cherchez? Je ne vous suis pas, vous ne feriez que me ralentir. Eh bien, la voyeur, qui sait? Il empoigna son épée de plomb à pleine main. Vous pouvez parler? Et vous donc? Imaginez mon étonnement. Qui êtes-vous? Je m'écure des lois mortelles. J'ai quitté le monde des hommes il y a 100 générations. Quitter le monde... dès sa naissance, l'univers, vous-même, vous êtes en train de... qui êtes-vous? Quelque chose est à ma... Que voulez-vous dire? Il viendra quand les rogues... les rogues... arriver, partir, aller... Quel est cet objet précieux? Un cristal. Un cristal capable de créer une déchirure entre les mondes, qui a... c'est sûrement ce cristal dont les rogues se servent. Vous trouverez le cristal lui-même à la source de... retirez-le, et les... ensuite... c'est ce... d'une certaine façon, oui. Forgez-moi quelque chose. Je pourrais vous donner l'océan. Alors donnez-moi l'océan. Montrez-moi l'une de vos... et de cette rune, vous pouvez enchanter. À charge de revanche. Harkin, vous n'allez jamais me croire. J'ai trouvé une table... pierre, incomplète, mais écrite dans la langue de mon grimoire d'ascendance. D'où vient-il? Il me faut la source. Je vais voir si j'en... c'est vrai, vous pourriez vous rendre utile pour une fois. Si je sais d'où elles proviennent, je pourrais peut-être les traduire.
Ce n'était qu'une question de temps avant que l'espace interdimensionnel ne se fracture. Les fils énergétiques se croisent dans l'espace-temps. Les plus solides forment des liens entre les dimensions. La plupart des failles ne sont que des sources d'énergie inaccessibles, mais d'autres déchirures deviennent les portails. Certains apparaissent sous forme de tourbillons, d'autres de tempêtes que seul un inconscient braverait. Je n'ai pas emprunté de portail en personne, mais on dit qu'on en ressort changé.